Les horoscopes. Qu'est-ce qu'ils disent pour les licornes? Licorne? Vous êtes licorne, vous? Bah oui, tu voulais que je sois quoi? Je sais pas, je vous imaginais bien... Anne espagnole ou vierge de fer. Pas du tout, c'est les signes de feu, ça. Moi, je suis définitivement licorne, proche de la famille et tournée vers le passé. Alors, licorne, c'est où? Licorne, licorne. Attention à ne pas trop foncer tête baissée, ça pourrait être dangereux. C'est normal parce qu'il y a une corne. Moi, je suis lutin, alors lutin, voilà. Ah voilà, lutin. Attention à ne pas être trop prisonnier de vos sentiments. Trop tard. Vous y croyez vraiment à ces conneries? Bah oui. Bah, vous y croyez, vous, aux étoiles, à l'espace, aux planètes? Bah, moi, ce que je crois, c'est que le Soleil gravite autour de la Terre, bien sûr. Ah, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont découvert que la Terre était plate. C'est normal, sinon on tomberait. Bah, si tu crois aux astres, bah, c'est normal qu'ils influent sur nos vies. Hein. C'est quoi votre signe? C'est signe. Ton signe, c'est signe? Oui. Mais non, c'est pas possible, ça existe pas. T'es né quand? Le 4 octobre. 4 octobre? Bah, 4 octobre, non, vous êtes cochon d'Inde. Ah oui? Cochon d'Inde. Ouais, c'est bon, ça y est. Hein. J'ai tout nettoyé. Il y a un truc qui part pas, c'est nique la magie. Oui, bah j'ai fait de mon mieux. Je me suis arrêtée sur les boîtes aux lettres en passant. Corps heureux parce que on a reçu un parchemin. Alors je vous le lis. Ah non. Bah quoi, ça va, écoutez, faut bien que je m'entraîne. Ah non, c'est la torture à chaque fois. Oh, pas sympa. Hein. Alors, c'est une lettre de contestation. Bien. Je vois pas ce qu'il y a de surprenant, on reçoit que ça. Alors c'est quoi ce coup-ci? Les douves sentent la pisse, personne remonte le pont levis en sortant, les flambeaux restent allumés toute la nuit? Ah non, c'est une plainte contre vous. Comment ça, contre moi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Bah, j'invente pas, hein. Alors, il y a écrit « Le bourreau se ramollit ». Qui a écrit ça? Il torture comme une... lavette. Non mais Depuis combien de temps n'a-t-il tué personne? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça n'importe quoi cette lettre là. Enfin c'est vrai, ça fait combien de temps que t'as tué personne? Ça fait combien de temps? Mais je te ferai dire que ça fait pas si longtemps que ça. C'était pas plus tard. C'est pas la saison en ce moment, d'accord? Et tu me ramollis pas. Je me ramollis. Moi je me ramollis. Je vais t'en foutre une, hein. Non mais vas-y. Ça fait longtemps. C'est quoi? C'est signé la lettre là? Non, c'est anonyme, c'est signé avec un carré. Une croix. Faites-moi voir ça. Faites-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ton écriture! Mais si! Oui, c'est mon écriture! Ben oui, parce que moi j'en peux plus, j'en ai marre! De une à deux tortures par jour! On est passé à une torture par mois et encore des fois on s'arrête pour regarder Netflix! J'en ai marre! Y'a plus rien entre nous! Pas une humiliation, pas un crachat dans la bouche! Vous me regardez même plus, même pas une brûlure indienne, rien! Que dalle, vous me donnez plus rien! Alors voilà, je suis humilié de pas être humilié, voilà! Et je vous le dis tout net! Si t'as changé de bourreau! Mais je suis un homme, moi! J'ai envie qu'on prenne soin de moi! Qu'on écarte mes petites fesses blanches pour mettre un bon gros tison ardent dans le cul! Qu'on brûle mes hémorroïdes une à une avec un tout petit briquet. J'ai envie qu'on m'arrache mes dents en me forçant à chanter du Céline Dion. Ça va, qu'est-ce que vous avez tous avec Céline là? Ne prenez pas pour vous. J'ai envie de cracher du sang, voilà. Tout le monde a envie de cracher du sang, non? Et ben je m'en vais. Ah non, je peux pas. Ben je vous tourne le dos, voilà. Bien fait. C'est vrai que vous avez fait de votre mieux? Bah évidemment. Je suis arrivée pour vous, j'ai dit je frotte. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je suis arrivée, bah je me suis assise devant. J'ai regardé comme ça, j'ai glandé.